Dans la cuillère, une crème à base de propolis et une chips au vinaigre de sureau. Pour démarrer, on est sur de la pomme de groseille qu'on vient d'avoir, qui est une variété autochtone de la région. Mais toute dernière, qui est très très acidulée, vous allez voir, elle porte très bien son nom. Vous avez un tout petit peu de bol d'eau, ça ressemble à du thym, des baies d'Argentine qu'on vous a ramené, des petites baies roses, coques, et puis une feuille d'oseille. Voilà. Ça m'étonne pas. Alors pour démarrer, on est sur du radis noir avec épinards, poire de la Comtesse de Paris. Vous avez une émulsion à base d'huîtres et tout ça assaisonné avec du citron mexicain qui sont des tout petits citrons extrêmement parfumés. Voilà, bonne continuation. Donc pour continuer, on est sur du Saint-Pierre avec du citron meilleur qui est confit longuement avec de l'huile d'olive, des oignons des Cévennes, assaisonné avec un petit peu de poivre des Cimes, qui est un poivre très très citronné, et un genre de jus à base de mélilo. Voilà. Thank you.
Alors, pour continuer, le foie gras poêlé avec l'ail nouveau mariné dans du yapmam, quelques feuilles de roquette, une émulsion de café et des petites graines de sésame noir. Continuation. Avec un petit peu de coco, pour la composer chambord. Dessus, il y a une cuillère de fumée avec un peu de cacao. La cuillère de mouton, pour le prendre sur le fond, pour faire un peu la noisette verte, de l'eau, la pâte de melon, et tout le monde. Et après, un peu de viande, bien réduit. Le plat qui dénote complètement de tous les autres plats, de par son dressage, hein, mais sur un plat en sauce. Donc on est sur un lapin au vacheron, donc vraiment une recette revisitée du lapin au vacheron.
Comme Guillaume fait tous ses vinaigres de foie avec des variétés anciennes de foie, endémiques au Perche Sud. Et celle-ci, c'est la poire de Thérésie, avec un peu d'épices et des agrumes. C'est un peu la recette de sa grand-mère, de l'époque. Ça sent très très bon. Merci. Donc on est sur un blanc manger à base de pané, lait de coco et un tout petit peu de vanille. Voilà. Pour finir, vous avez un petit jus à marena et cannelle, le biscuit au sucre rubadura, c'est un sucre de canne complet. À l'intérieur, une mousse chocolat au lait et fleur d'oranger, la glace au miel de roussard et vinaigre de vieux bagnous. L'oseille sauvage, n'oublie pas. Merci.